Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. C'est vraiment ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse richement. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia, l'Éternel est mon berger. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, loué, loué soit l'Éternel. Alléluia, loué soit l'Éternel. Loué notre Père, que ton nom soit exalté et glorifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment encore heureux de pouvoir encore être dans cette maison, dans ces lieux, Père,
où nous pouvons nous retrouver avec nos frères et sœurs, avec lesquels nous chantons les chants de Sion, réalisant réellement tes compassions à notre endroit, comme nous l'avons entendu aujourd'hui par la lecture de ta parole, Père Dieu. Oh, tu es vraiment bon. Alléluia. Autant l'Orient que l'Occident, Père Saint-Dieu, autant tu renonces aussi nos iniquités, mon roi. Quelle bonté, mon Seigneur, quel amour, quelle compassion. La distance est tellement si énorme, mon roi, à tel point qu'on ne peut même pas se souvenir de cela. Mais tu es le Dieu merveilleux, Père. Aujourd'hui encore, mon Sauveur, tu nous rappelles que tu es là particulièrement parce que tu es aussi le Dieu qui pardonne les iniquités, le manquement aussi, Père, tu bénisses nos offenses, qui purifie aussi et qui sanctifie aussi davantage, mon roi, pour que notre âme puisse vraiment te louer avec reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci notre Père Céleste, notre Dieu. Merci encore Dieu pour ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait aussi et pour ma sœur, ce que tu as fait aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, bénémoine Père Saint-Dieu, et pour lesquels aussi nous voulons te dire encore merci parce qu'ils ont été à différents endroits, mais ta main les a protégés, Père. Merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont également aussi en connexion, partout où ils se trouvent. Nous te remercions encore parce que tu es leur soutien et aussi leur force, mon Père. Pour les cantiques et les chants, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous te prions de continuer encore davantage d'inspirer, Seigneur, parce que nous aimons tant te chanter, nous aimons tant te glorifier au travers des chants et des cantiques. C'est vrai, notre cœur vraiment voudrait vraiment avoir cette grâce de pouvoir tous les jours chanter les chants de Sion pour toi, Père. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes. Oh Dieu, tu as dit que l'on ne verra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Dieu, tu nous donnes ce privilège de pouvoir aussi t'entendre encore ce soir. Donne-nous des cœurs bien disposés, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux parce que nous réalisons que nous sommes le peuple de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit, ne touchez pas mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous réalisons que le Seigneur, notre Dieu, il veille vraiment sur chacun de nous tous, comme il nous l'a fait part effectivement aussi. Et c'est aussi à notre tour le désir profond de lui être reconnaissant dans tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Parce que le Seigneur aime la reconnaissance aussi. Oui, quand elle vient aussi du fin fond de du cœur de la personne, c'est cela aussi ce que le Seigneur aime. Vous pouvez le remarquer dans tous les actes effectivement qu'on pose, Dieu regarde quand même le cœur. Il y a eu donc des pharisiens, des hommes, des publicains qui avaient des moyens, qui venaient mettre effectivement ce qu'ils avaient de superflu dans la caisse. Mais il y avait une veuve qui était là, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Et elle est venue avec ce qu'il restait, mais c'est parce que son cœur voulait réellement donner au Seigneur. Et quand le Seigneur a regardé, il a dit de toutes ces personnes qui ont mis dans la caisse, c'est cette femme-là auquel le Seigneur a eu à pouvoir regarder avec un regard compatissant. C'est ce que Dieu attend aussi de tout un chacun de nous. Notre cœur, que dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous désirons que le Seigneur fasse pour nous, c'est que nous devons d'abord examiner l'intérieur, effectivement. C'est pourquoi la Bible nous fait toujours part et savoir que leurs cœurs furent vivement touchés. Quand le cœur est touché, alors là, Dieu, il est attentif maintenant. Et c'est pour ça que quand il dit aux hommes, frères, que ferons-nous, Dieu n'a pas tardé. C'est de verser à leur donner ce qui était nécessaire pour que réellement que leur vue soit changée et transformée aussi. C'est la manière dont nous sommes disposés, mais parce que le cœur de l'homme est devenu tellement dur et insensible. Et c'est cela la difficulté et les douleurs, effectivement, parce que les problèmes, c'est les habitudes, en fait. Quand ça s'est mis en place, alors à ce moment-là, on se dit que bon, pour nous, c'est pas vraiment ça, ça ne concerne pas, donc ça passe. Alors que c'est la chose importante que Dieu veut, c'est que ton cœur soit toujours sensible. Que ce nom de Dieu soit béni pour ce qu'il fait pour nous et qu'il continue davantage de pouvoir le faire, parce que chaque jour, nous voyons sa main puissante et sa bonté. Sa grâce à notre endroit. Je le remercie aussi. Parfois, nous
Il a une façon lui de nous conduire en fait aussi, parce que si nous simplement nous le remettons entre ses mains, il agit comme je disais à sa bien-aimée sœur Tryphonie, dont je suis heureux de pouvoir la revoir, et de son retour de voyage où il était parti, que le Seigneur soit béni de l'avoir gardé. Et nous sommes heureux, non? Amen. De pouvoir la voir. Elle partait certainement en se disant, je veux un peu dormir, reposer un tout petit peu comme ça. Mais le Seigneur, lui, il avait un projet. Et c'est là qu'on aime beaucoup les Seigneurs. Alors, quand elle est arrivée là-bas, et elle ne savait pas après, parce que c'est moi qui lui ai dit. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, voilà que elle allait, où elle pouvait aller, elle allait pour dire bonjour à quelqu'un. C'est comme ça qu'elle a rencontré aussi une dame qui est là. Et puis bon, la dame, c'est à Goma qu'elle était. La dame commence à pouvoir parler avec elle, et puis bon, lui exposer son problème. Et bien, quand la dame lui a exposé son problème, alors elle lui dit, ah moi, ça, ce problème-là, je sais quelqu'un, c'est qui la personne qui peut résoudre ton problème. Et alors, elle a donné donc mes coordonnées à la dame qui est là, et puis bon, et puis il est parti. Et voilà que la dame a pris les coordonnées de la Voie de l'Afrique, elle m'a appelé ici. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il m'appelle de la dame, de la part de Madame Tryphonie. Ils se sont donc rencontrés, il lui a parlé, et la dame lui a dit que bon, ben, vous pouvez m'aider, votre problème. J'ai dit oui, de quoi s'agit-il? Alors elle m'explique son problème en détail, avec douleur et aussi avec tristesse dans l'âme, parce que ça faisait donc des années qu'il parcourait cela. Alors je lui ai dit, ben, vous m'appelez parce que vous voulez que je prie pour vous. Elle m'a dit oui, parce qu'on m'a dit que vous êtes à mesure de résoudre mon problème ici, parce qu'il nous a rendu témoignage effectivement de comment aussi Dieu travaille avec vous. Alors je lui ai dit, effectivement, vous avez besoin que moi je prie pour vous, pour que Dieu agisse pour vous. Alors j'ai dit, mais vous êtes une chrétienne, une croyante? Elle m'a dit, oui, je suis une croyante, parce que j'ai dit, moi, je dois invoquer mon Dieu. Mais non, le problème, c'est que toi, pour qu'il agisse en toi, il faut quand même que tu connaisses ce Dieu que je vais invoquer. Alors, moi, j'ai dit, bon, dans quelle église tu vas pour prier? Alors, elle me dit, je vais donc dans l'église catholique. J'ai dit, hein. Alors, le problème, j'ai dit, moi ici, je vais invoquer mon Dieu. Mais tu veux que mon Dieu à moi puisse t'aider. Mais pour que mon Dieu à moi puisse t'aider, il faut que toi aussi, tu puisses aussi croire qu'il est capable de pouvoir t'aider. C'est que si tu ne crois pas qu'il est capable de pouvoir t'aider, il ne pourra rien faire. Et puis, pour que tu puisses croire quand même qu'il est capable de pouvoir t'aider, il faut que tu le connaisses. Mais toi, tu es catholique. Tu as trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà, tu es dans la confusion de Dieu. Et quand tu me demandais de pouvoir prier pour toi, lesquels des dieux que tu pensais que tu pouvais invoquer pour toi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que comment invoquer les trois à la fois? Alors il m'écoutait, alors j'ai dit, bon, voilà madame. D'abord, un, quand tu es chrétien, tu es catholique, tu n'es pas une croyante. Enfin, tu crois à des choses effectivement qui sont des logiques en fait de l'homme en fait, parce que déjà si tu crois que tu as trois dieux, tu es une païenne, parce que le fait que les croyants comme nous sommes, que nous soyons des croyants comme en Israël, ils croient en Dieu, à un seul Dieu. Puis je lui fais part de cela effectivement, je lui dis, si tu as trois dieux, comment tu peux avancer? Ah, mais je crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu, mais lequel? De trois. Alors elle commence à pouvoir comprendre qu'elle avait un problème. Alors je lui ai dit, voilà ce que je voulais donc te proposer, pour que tu comprennes. Je voudrais te montrer le Dieu que je sers. Alors, si tu es intéressé par lui, alors nous allons conclure l'affaire. Il n'y a pas de problème. Ah ben oui, c'est.
C'est simple, hein. C'est là parce que tu le veux, le mien. Alors, pour qu'on puisse arriver à pouvoir faire les deals, toi aussi, tu dois arriver à pouvoir le voir s'il est intéressant. Alors, j'ai commencé à lui parler, montrer. J'ai dit, tu vois le père dont tu t'as montré. On t'a dit, est-ce que tu le connais? Les fils aussi. Alors, j'ai dit, je lui ai expliqué maintenant la divinité, ce que c'était. Et je lui ai aussi expliqué, effectivement, que dans l'Ancien Testament, il était comme ça. Dans le Nouveau Testament, il est comme ça. Et son nom à lui, quand nous l'invoquons, c'est Jésus le Christ. Alors, elle m'écoutait. Mais alors là, à ce moment, son cœur était tellement touché. Alors, elle me pose la question. Avant, elle me parlait comme étant monsieur, comme si, bon, voilà, comme on l'a dit, effectivement, bon, elle savait que j'étais quand même croyant, mais elle parlait quand même comme, elle parlait à un monsieur. Et tout d'un coup, quand je lui parlais comme ça, elle lui entendait, et puis j'entends seulement, elle me regarde, elle restait tellement tranquille, son cœur touché. Elle me dit, frère Léonard, j'ai dit, oh oui. Quand on m'appelle maintenant frère Léonard, ah, c'est que quelque chose s'est passé dans le cœur. Alors, il me dit, qu'est-ce que je dois faire alors? J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, mon Jésus t'intéresse. Ah, oui, elle dit, mais vraiment de tout mon cœur. Je vous dis la vérité, mais vraiment de tout mon cœur. Je le reçois, je l'accepte comme mon sauveur personnel, plus catholique du tout. Je veux vraiment ce Jésus dans ma propre vie. Elle, à cette euphonie, ne savait pas. C'est quand elle a fini, elle est revenue. Je lui ai dit, sœur, viens un peu ici. Je suis heureux. Tu as été là. Voilà, elle m'expliquait. Je lui ai dit, mais tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Toi, ton voyage que tu pensais pouvoir avoir, dormir sur l'herbe de l'Afrique, hein, Dieu avait une mission. Tu es parti là-bas, il y avait une âme qui allait mourir catholique, mais aujourd'hui est une sœur en Christ. Et qui attend d'être baptisée aussi. Elle a accepté aussi les baptêmes. Elle veut effectivement aussi être baptisée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà comment Dieu, d'une manière assez simple, me cherchait une âme quelque part et qui pouvait. C'est pour, j'ai dit, moi je vois. Je dis, mais Dieu est amour, il est amour. Pour que cette personne-là reçoive Christ, parce que c'est une fille de Dieu, il a fallu qu'il déplace. Ah, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Oui, va te reposer. Mais là, il y a quelqu'un qui vit là-bas que je veux avoir. Non, Dieu est bon. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il y avait un ennemi éthiopien, un seul. Dieu a déplacé jusque là. Et alors, quand Philippe l'a baptisé, l'homme est parti heureux, sauvé par Dieu. Dieu est bon. Il a sa façon. C'est pour ça que nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous passons, montrons notre identité, en fait. Que les gens voient, peut-être que Dieu peut t'utiliser, mais tu as honte qu'on voie que tu es une chrétienne. Tu ne peux pas avoir honte du Seigneur. Il a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi. J'aurai honte de lui. Mon frère et ma soeur, à chaque endroit que tu es, frère, à chaque lieu, il ne faut pas que les gens sachent que nous sommes tous séparés. Il n'y a pas de problème que tu tapes le verre de champagne, le verre d'alcool. Ce n'est pas ça que Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné pour que quand tu es quelque part, tu dégages l'odeur de Christ. Que ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, là, ils puissent sentir qu'effectivement, qu'il y a l'espérance. Et c'est par toi que les hommes pourront voir qu'effectivement, que il y a un Dieu, et effectivement, c'est qui peut agir aussi pour nous. Et c'est comme ça que par elle aussi, le Seigneur a accordé la grâce aussi qu'elle puisse avoir la vie et qu'elle connaisse aussi la vérité maintenant et qu'elle puisse réaliser que Dieu est donc vivant. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, de tout mon cœur, certainement, je voudrais vraiment te remercier pour la sœur Nadine, mon Sauveur. Père, rien ne pouvait arriver à pouvoir faire en sorte qu'elle puisse réaliser qu'elle était profondément dans l'erreur. Il y a eu des religions, il y a eu des gens, des églises, il pouvait en avoir là-bas, Père Dieu.
Mais aucune de cela n'a pu toucher son cœur pour réaliser qu'elle était vraiment dans une fausseté profonde et que si elle mourait, malgré tout ce qu'elle pouvait être dans sa sincérité, elle allait vraiment en enfer, dans le lieu du jugement perturbissant, lié, enchaîné en ténébreux perturbissant Dieu. Mais il a pu à toi de pouvoir trouver ce moyen, ce canal. Boca, la parole lui atteigne aussi, Père Saint-Dieu, et qu'elle soit sauvée. Qu'elle soit aussi, Père du Mission, délivrée. Nous te prions pour que tu lui donnes effectivement aussi l'objet de son désir, parce que tu l'as visité aussi, Père Saint. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour ton amour, et ta bonté, tes compassions, comme nous l'avons entendu dans ce soir dans le psaume 103. Seigneur, tu es vraiment Dieu miséricordieux. Gloire à toi, nous te demandons cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 1 roi chapitre 18, nous prenons les saintes écritures. Et 1 roi au chapitre 18. C'est cela, oui. Voilà, nous lisons à partir du verset 16. 1 roi 18, verset 16. Alors, Abias étant allé donc à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu donc au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes donc le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoyant de messagers vers tous les enfants d'Israël, il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approchant de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allait après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous tenons vraiment de tout notre cœur, nous t'aimons Père. Merci. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es. Vraiment, c'est une grâce vraiment imméritée, mais vraiment particulière. La manière dont tu fais avec ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, nous t'aimons parce que ce que tu fais, aucun frère ne pouvait le faire. Tu es le seul et l'unique. C'est pour ça que c'est la vérité que des témoignages devaient nous parvenir, comme la Bible le dit, que quand on posa la question qui est digne, on a regardé en haut dans les ciels. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit béni parce que tu as combattu le seul. Tu as foulé au pressoir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as été le seul à fouler au pressoir. Oh, que ton nom soit béni pour ce que tu as fait pour nous. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Nous sommes libres, Père. Et personne ne peut encore nous mettre en esclavage, mon bien-aimé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment béni que tu nous donnes. Pouvoir lire ta parole, Père Saint-Dieu. C'est à ce moment-ci aussi que nous prenons plaisir en te chantant, en glorifiant ton nom. Et nous prenons plaisir à pouvoir t'écouter, nous parler aussi, Père. Pardonne-moi, mon Sauveur béni. Oh Dieu, j'ai aussi besoin de toi, que le cœur et l'âme soient entre tes mains, mon bien-aimé, parce que nous avons tous besoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni, reste ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le remarquons, effectivement, si c'était des moments tellement difficiles, et le prophète Élie était dans une situation où on le cherchait. Je pense que vous le savez effectivement aussi, quand il a eu à pouvoir offrir l'état aussi du pays et du royaume d'Israël, et comment aussi la chose a été donc faite et en rapport avec aussi le ciel qui devait donc des reins effectivement ainsi. Donc on le recherchait effectivement aussi parce qu'il avait dit 3 ans et demi sinon à ma parole effectivement aussi. C'est pour ça que Akab envoyait tout le temps l'armée effectivement pour les chercher partout parce que on voulait les tuer, on voulait l'éliminer effectivement ainsi jusqu'à ce qu'il envoie chaque chef d'armée qu'il envoyait effectivement, il trouvait Élie mais il y allait lui parler avec une politesse, il manque de respect et lui criait effectivement pour lui parler, tu descends ici, et va, vivons, viens te montrer, parce que le roi, parce que bon, quand c'est les rois qui les renvoyaient, ils se sentaient avec beaucoup d'autorité,
Et quand il voyait Élie tout seul, on trouvait un homme tout à fait vulnérable, effectivement, auquel il sentait le droit de pouvoir dire n'importe quoi. Effectivement, mais, et alors, quand il parlait comme ça, avec autant d'arrogance au roi, enfin, à Élie, pardon, et Élie, il dit, mais alors, si je suis vraiment le prophète de Dieu, eh bien, que le feu du ciel tombe et consume. Chaque fois, c'était comme ça. Le feu tombait et consumait ces gens. Et il restait tranquille. Alors, le roi envoyait encore, effectivement, aussi des gens. Ils étaient comme cela. Mais alors, il a envoyé un, dont le nom était Abdias. Quand Abdias est venu, il n'a pas eu d'arrogance. Non, vous pouvez le lire, il n'a pas eu d'arrogance, effectivement. C'est pour ça, comme la Bible le dit, celui qui vous touche, mais il court des risques très graves. Même s'il ne le voit pas maintenant à court terme, mais Dieu n'oublie jamais rien à long terme. C'est la vérité, ce que vous entendez. Tout celui qui agit ainsi à l'endroit d'un fils de Dieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit plutôt partout où vous êtes, que ce soit les administrations, tout celui qui agit mal, avec de mauvaises intentions, à l'endroit d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu, il ne sera jamais tranquille. C'est pour ça que Dieu nous dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, chaque endroit que vous allez, c'est pour ça que je ne sais pas, j'ai parlé avec peut-être... Je ne sais pas à qui je parle. Mais c'est nous ici ensemble. Dieu a fait de nous des conquérants. Et nous sommes toujours victorieux dans tout ce que nous avons. Mais le problème, c'est que quand Dieu nous parle comme ça, nous devons croire cela et accepter que nous le sommes. Parce que si nous ne croyons pas, si nous ne l'acceptons pas, eh ben, ça ne peut pas avoir d'effet sur nous. Oui, parce que s'il est dit, il est écrit que bon, c'est là que Dieu te l'a dit, mais il faut te le prendre. Ce qui veut dire que quand Dieu me dit, cela je le prends, je peux sortir dans tous les lieux de bureau que je peux entrer. Je sais que ce que je veux, moi, je dois l'avoir. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là qui veut s'y opposer, moi, je ne vais pas commencer à entrer ou comme ça, à s'élever, à insulter. Non. Je ne dis rien, je dis, Seigneur, j'ai la chose. Mais si c'est lui qui bloque la chose, tu t'en charges toi. Vous savez, vous devez marcher, je vais continuer à lire, vous devez marcher, nous devons marcher, pas comme des mendiants. Non, frère, n'allez pas dans des bureaux comme des mendiants. On sait avec l'attitude de mendicité. Non, mettez-vous avec l'attitude des gens qui sont sûrs. Pourquoi serez-vous des mendiants alors que votre Père, mais c'est la vérité, notre Père a tout. Nous devons marcher et aussi être dans des conditions comme nous avons un endroit que nous avons besoin de demander avec certitude. Peu nous importe, parce que même s'il complique, Dieu va décompliquer. Alléluia. Vous comprenez? On complique. Alléluia. Donc c'est que ce soit aux études pour les enfants, alléluia, des jeunes qui vont étudier, qui vont à l'école, effectivement. Mais non, faut pas avoir peur. Oh, ce professeur-là, c'est lui, quand on arrive chez lui, vraiment, on a beau étudier, mais il te donne pas vraiment de points. Alors vous savez, on tremble pour son examen. Toi, tu ne dois pas trembler. Alléluia. Moi, je vais étudier, mais je dois réussir. Mais c'est vrai qu'il faut quand même étudier aussi. Il ne faut pas dire, bon, alors, ah, je suis un enfant de Dieu, je dois aller chanter. Alléluia, gloire à Dieu. Mais tu sais que tu dois étudier. À moins qu'il y ait des circonstances qui font qu'effectivement, que, en tout cas, tu dois être à ta place maintenant pour chanter. Vous comprenez? Les circonstances, quasiment, tu ne vas pas arriver à pouvoir lire. Mais quand tu as quand même la possibilité, parce que Dieu connaît le cœur, hein? Oui, Dieu connaît le cœur, effectivement. Alors, quand tu as la possibilité, quand même, pour pouvoir étudier, étudie. Alors, si c'était un jour d'examen, tu pries, Seigneur, mon Dieu, la matière est tellement grande. Tu vois ma volonté, tu vois mon désir. Aide-moi à étudier quand même la matière qui va donner, que les professeurs pourront interroger. Donc, le Seigneur est capable, hein, que tu ouvres, tu étudies, tu dis. Vous avez entendu des témoignages comme ça, hein. Il dit, j'ai étudié, et puis je suis arrivé. Ah, Dieu soit béni. Il m'a posé seulement ça, la page que j'ai étudiée. Ils sont là. Donc, il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel, notre Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme des pauvres mendiants. Ah, vous allez dans une administration. Madame, je viens parce que... Non. Non. Je ne viens pas mendier.
Non, madame, je viens parce que il y a une situation que je rencontre qui est ceci. Mais poliment, hein. Pas que non, tu n'as pas d'argent, tu dors, tu dis madame. Non. Faut être pauvre. En fait, faut avoir un bon esprit pour comprendre les choses de Dieu, pour que les choses se passent aussi bien. Donc, poli, vous avez du respect à l'endroit de la personne, vous lui expliquez effectivement comment, ce que vous désirez, ceci, cela, je veux parler à l'administration, vous n'allez pas voir, bon madame, mon séjour, vous n'avez pas prolongé, ça fait déjà des jours, je ne comprends pas, pourquoi vous êtes comme ça? Non, pas du tout. Vous comprenez? Madame, excusez-moi s'il vous plaît, bon, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai donné tout le document, ceci, cela, mais je ne vois pas que ça avance le dossier. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui bloque pour que je puisse, faites-moi savoir ce qui ne va pas pour que je puisse arriver à pouvoir vous fournir ce qui est nécessaire. Parce que bon, c'est un blocage, je ne sais pas tellement très bien, alors que les autres sont débloqués, et moi, je n'avance pas. Y a-t-il un souci? Vous comprenez? Je donne un exemple. Hein? Donc vous, et la personne ne comprend pas. Ah, mais là, c'est la personne ici. On sent d'abord qu'il est sûr, il me demande ce que j'ai demandé. La façon de pouvoir parler, évidemment, il dit, bon, écoutez, madame, on va examiner le dossier. On va examiner, parce qu'il va là-bas, il dit, ah, mais et qu'est-ce qui s'est passé pour ce dossier? Quand tu parles comme ça, Dieu intervient. Il commence à pouvoir fouiller. Non. Ah, mais c'est vrai, c'est Jean-Michel Vantin, qui n'avait pas signé ce document, qui devait partir aujourd'hui. Ah, mais madame, c'est pas un problème. Et puis, si, il dit que non. C'est un exemple, en fait. Donc, il faut que nous puissions savoir que notre Dieu est avec lui. Ne touchez pas. Ah oui. Alors ici, ceux qui venaient effectivement aussi, ils avaient cette aisance-là de pouvoir dire que bon, ben, c'est un monsieur, c'est un homme, et puis nous avons l'autorité, nous sommes donc ceux que le roi a envoyés, que nous avons la possibilité de voir si on doit l'arrêter effectivement. Et lui, il a prouvé qu'il avait l'autorité au-dessus de tous. Oui, l'autorité d'Élie, c'était au-dessus de tout le roi qu'il avait, parce que c'était Dieu qui l'avait mandaté là-dessus. Vous êtes aussi le peuple de Dieu. Bien sûr, tu l'as dit, non? Amen. Quand tu pries notre Père qui est aux cieux. Donc ce n'est pas inventé, ce n'est pas que Dieu, tu l'appelles ton Père parce que simplement c'est une formule. Non, tu dois aussi être, tu reconnais qu'effectivement que je suis né de lui. Donc je suis dans sa maison, né dans sa maison, c'est vrai, non? Donc je peux arriver, j'ai le droit. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël invoquaient le Seigneur entendait, parce que c'est son peuple. Avec ils étaient tellement dans l'assurance que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'était leur Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu avait fait une alliance avec leur père. Effectivement, les Égyptiens, non, les Sénégalais, non. Enfin, je vais dire comme ça, non. Donc, vous comprenez, c'est pour dire dans l'ancien temps, parce qu'aujourd'hui, bon, bref, bon, mais vous comprenez, vous avez compris. Donc, ça veut dire que mais les enfants d'Israël, ils étaient sûrs que quand nous invoquerons notre Dieu, alors il entendra. Mais ça doit être aussi la même chose qu'avec vous aussi. Donc, quand je invoquerai le Seigneur, mon Dieu, je suis sûr et certain qu'il m'entend. Parce qu'il me connaît, je le connais. Alors, Abias, alors, à ce moment-là, ils sont venus, bon, le feu est tombé dessus sur eux. Et Abias est venu. Il faut remarquer très bien l'attitude de cet homme par rapport aux autres. Je voulais juste vous lire aussi, je pense que c'est dans, toujours chapitre 18, mais plus haut, effectivement, vers. Voilà, je sais. À partir de. Oui. Voilà. Justement, commencer verset 1. 18 verset 1 dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va donc, présente-toi devant Acab. Ça, c'est, on a déjà parlé, n'est-ce pas? Donc, il dit, va donc, présente-toi devant Acab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, le Seigneur lui a parlé. Alors maintenant, Élie alla pour se présenter devant Acab. La famille était grande en Samarie et Acab fit appeler Abdias. Vous suivez cela? Chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Vous voyez ce que l'homme était? Alors maintenant, il dit, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, écoutez bien, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Et ils se partagèrent donc les pays pour les parcourir. Acab seul, alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici, Élie les rencontra. Donc Élie, Dieu lui avait déjà dit d'aller se présenter. Vous vous souvenez, non? Et Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur sa face. Vous voyez?
Il s'est prosterné et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Vous voyez cela? Et il lui répondit, c'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. Vous voyez la douceur et la manière dont Élie lui a parlé? C'était pas comme avec les autres qui étaient venus auparavant. Mais parce que lui, le Seigneur a permis qu'il soit sur ce chemin-là, parce qu'il avait fait du bien aux serviteurs de Dieu. Vous avez entendu, non? Donc Élie lui parle. Maintenant, il dit, écoute ce qu'il dit. Et Abdias dit, mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Et l'Éternel, il dit, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Alors, et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, et je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Il parle d'Élie, vous voyez quoi? Alors, Élie lui parlait, ce que Abdias ne savait pas, c'est ce que la rencontre d'Élie et Abdias, Dieu l'avait fait. Il savait effectivement pourquoi c'était Abdias, parce qu'avant cela, Dieu a parlé à son serviteur, qui doit maintenant se présenter. Et lui, Abdias ne savait pas. C'est pour ça qu'Élie était en train de le regarder. Et il parlait. Élie savait déjà ce qu'il allait faire. Mais lui, il savait pas cela, effectivement. Alors l'homme, il dit, mais on va me tuer, parce que quand tu vas partir, il pensait effectivement que ce serait effectivement comme les autres. Alors maintenant, il dit, est-ce qu'on a dit, ton serviteur, qui a donc l'Éternel dès sa jeunesse? Il dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua, il parle aussi à Élie, hein, quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. On nous avait déjà raconté ça, Déborah. Donc, effectivement, alors il dit, et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, et bien, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias s'étant donc allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu donc au devant d'Élie, et à peine a-t-il perçu-t-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc, vous remarquez l'état d'esprit, effectivement. Et comment c'est lui donc qui était donc parti avec la disposition qu'il avait dans le cœur, avec autant de respect, il s'est même incliné pour montrer effectivement à Élie effectivement qu'il avait beaucoup de considération. Donc Dieu avait toujours voulu l'épargner par ce qu'il avait posé comme acte. Mais maintenant, voilà que quand Élie s'est présenté effectivement aussi donc avec Akab, et quand Akab commença à pouvoir lui dire que c'est toi qui jette des troubles effectivement, qui ramène effectivement ces troubles que nous avons en Israël, puisque le ciel donc est fermé, nous n'avons pas de pluie, il n'y a plus rien, tout la sécheresse est venue. Il dit non, c'est pas moi, c'est toi. Avec Jézabel, en fait, ta femme, en fait, moi qui étais prostituée, fardée, vous connaissez comment Jézabel. C'est pour ça quand on parle effectivement de fardée, en fait, c'est un mauvais esprit. Ça veut dire que vous mettez tout le bazar que vous mettez là. Je sais que c'est problématique avec les filles, les jeunes filles. D'ailleurs, en parlant de cela, nous étions dans la voiture et nous venions. Et une conversation s'est installée. Moi, j'étais en train d'écouter. Donc, c'est un moment de parler. Alors, je crois qu'il y avait quelque chose qui parlait à propos des faux ongles. Du silence, bon. Vous voyez comment aujourd'hui, partout où vous allez, que ce soit les jeunes filles, les jeunes... ils sont toujours les mains comme ça, mais les ongles à 3 km. Alors, pendant qu'il parlait aussi, il dit, mais quand elle disait, mais quand j'étais là, avant, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas même m'en passer de cela, parce que quand on travaille comme caissière, il faut avoir des mains jolies. Alors, je me disais, mais quelle beauté, alors. Quelle beauté, c'est comme un animal qui ne sait pas, qu'on ne sait pas tailler. Mais c'est la vérité, ça. Je me suis toujours dit, peut-être moi je vois mal, mais j'ai dit, mais mon Dieu, mais un être humain, une personne quand même qui est créée de Dieu. Hein, vraiment, il n'est pas un animal, il n'est pas une bête, mais qui est assise là, il a des ongles comme un chat ou un chien, jusque là où un lion, un panthère. Alors, tellement, il dit, mais alors tellement qu'on met les faux ongles là, maintenant pour pouvoir prendre les tickets des caisses. Si vous faites comme ça, comment vous allez faire? Parce qu'ils sont tellement longs,
Ah oui, ça rentre dans les yeux. Il fait comme ça, on doit faire comme ça pour prendre à l'intérieur. Pour... C'est pour ça que vous voyez quand vous êtes des caissiers, regardez bien leurs mains. Ils vous donnent comme ça, parce que les ongles étant tellement longs. Alors ce qu'il a dit, il me dit, mais ce qui se passait, c'est que, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est plus on met ses faux ongles. Ah oui, parce que d'abord il disait, oui, mais moi j'ai écouté. Il dit, oui, mais en fait, quand tu ne mets pas ces faux ongles-là, c'est comme si tu n'es pas habillé. J'ai dit donc, les doigts doivent être habillés. Donc il dit, mais c'est un esprit, une fois que vous avez commencé à le mettre, ah oui, vous ne pouvez pas vous en passer. Et puis en plus, vous savez, je pense, vous savez comment on les met, non? On colle. Et rendez-vous un peu comme toi, un être humain. Tu prends de la colle, tu mets sur du plastique. Non, Seigneur, c'est quand même grave. Et puis tu colles, 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 tu colles. Et puis tu commences à marcher. Mais je ne sais même pas comment vous vous voyez, hein. Tu commences à t'attendre d'abord pour que la colle colle. Il faut mettre du vent, ça puisse coller. Comme tu dis, ma précieuse soeur. Mais c'est cela le problème. Bon, maintenant, je demande, si déjà l'étiquette casse, tu as difficile à pouvoir tenir. Et là, c'est moule. C'est le problème. Hein? Ticket de caisse, c'est pas possible. Alors, manger maintenant, ça devient problématique. Bah, bref, alors elle disait, donc, c'est un esprit, quand ça rentre chez vous, vous ne pouvez pas sortir les ongles nus. Maintenant, les dangers, c'est quoi? Elle dit, les dangers, c'est que quand vous mettez ça tout le temps, et vous, quand vous commencez à vous enlever, ça fragilise les ongles. C'est-à-dire que les, voici même mes soeurs qui, moi je ne savais pas. Les ongles sont fragilisés, donc les ongles sont abîmés. Donc vous voyez que les choses que vous faites, et vous pensez qu'effectivement, alors, j'ai parlé de Isabelle, la farde, la poudre, la grosse là, que vous mettez là, des couches que vous mettez là, eh bien, vous ne vous rendez pas compte en fait ce que ça produit en fait sur votre poids. Alors j'entendais les gens qui ne savent pas, j'ai entendu des bruits qui disent comme ça, vous allez me détester, mais il n'y a pas de problème. Et ils disaient toujours, oh, si je ne le mets pas, je ne peux pas sortir. Alors j'étais en train de regarder, et puis bon. Alors les jeunes chrétiennes, en fait, effectivement aussi. Vous me regardez, hein? Les jeunes chrétiennes maintenant aussi. J'ai dit, les parents doivent vérifier leurs enfants. Si vous aimez vos enfants, alors vous devez les interdire de faire toutes ces choses-là, ces crayons, ces fardes qui sont sur le visage. Et ne dites pas, ah, j'aime mon enfant, je lui laisse la liberté. Là, c'est une malédiction parce que vous n'aimez pas l'enfant, vous détruisez votre enfant. Parce que devant Dieu, la personne, il peut prier comme il peut prier, hein, mais il est sous la condamnation. Oui, monsieur, oui, madame. Bon, alors, Jézabel, donc, alors la poudre, donc, la question, là, on me dit, voilà que... Peut-être je vais m'arrêter, sans peut-être rentrer plus longtemps. Elle m'a dit que oui, la poudre là, hein, c'est qu'on met parce qu'on a des défauts là, et parce que ça cache les défauts. Mais alors, ce que j'ai dit, mais on vous trompe vraiment. Parce que quand vous venez, quand on vous regarde, on voit que vous êtes plus en défaut avec toute cette couche que vous avez, parce que ce n'est pas de vous. Et puis, mais c'est la vérité. Et puis j'ai dit, parce que je vois que ça me met mal à l'aise les uns comme les autres. Ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise. Hein, il faut que vous puissiez. Vous savez, vous devez servir Dieu, non? Vous voulez servir Dieu, non? Ah ben oui. Ah ben oui, il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. Ah, maintenant, c'est, on va pas. Non. Vous devez l'écouter. Parce que quand vous vous présentez déjà là, vous-même déjà dans votre peau elle est en mise, vous n'êtes pas tellement à l'aise. Saluer un frère ou saluer une soeur, c'est la partie de l'épaule qui vient. Pourquoi? Parce que si vous l'approchez, la poudre que vous avez, elle va tâcher. C'est la vérité, non? Oui. Donc ça veut dire que et en une journée, vous. Maintenant, si déjà comme ça pour saluer quelqu'un, vous avez des difficultés, maintenant comment vous allez chanter Dieu ou servir Dieu? Parce que vous avez peur que la transpiration, si tu transpires trop, eh bien, problématique, parce que ça va commencer à couler ici. Donc, je dois me vanter pour sécher. Tu dis, pourquoi la sœur, elle veut tout le temps du lait? Mais surtout la température, elle est bien. Non, il veut que les séchages continuent à pouvoir sécher. Parce que si ça fait trop chaud, c'est la moulure qui coule. Hein? Ça commence à couler, et puis
difficile de rattraper. Et puis on me dit aussi que oui, c'est parce qu'on doit cacher des défauts. Mais en fait, non. Les problèmes, ce que vous dites à Dieu, Seigneur, tu n'as pas fait un bon travail. Seigneur, vraiment. Alors, pourquoi vous lisez les psaumes qui disent les 139? Et quand vous le lisez, vous criez Alléluia, Amen. Dieu, mon grand, tu vois, ça, c'est vrai. Alors, tout, il ne faudrait pas. Vous ne serez pas fâché. Non, 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 je dis, non, non, non. Même si vous êtes fâché, ce n'est pas un problème. De toute les façons. Les psaumes 139, on peut les lire? Voilà, psaume 139, il nous dit quelque chose. Et puis vous allez partir parce que le temps file, je ne vais pas trop vous retenir. Puis on continuera peut-être après si Dieu le permet. Allez, regardez bien, psaume 139. Ah, c'est si, quand on... Oh, tu l'aimes beaucoup lire ça, mais tu te souviens dans quelle veste encore je vois. Et les trottes se lever pour que je puisse dans donner bruit. Ah, voilà, merci beaucoup. Ah, et d'abord, nous commençons. Verset 13, il dit, mais c'est toi qui as formé mes reins. Tu dis ça à Dieu parce que tu le loues, hein? Tu te loues, hein? C'est toi qui as formé mes reins, hein? Qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Alléluia. Et puis tu dis, j'étais loup. Tu dis, j'étais loup de ce que je suis une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Mais après, tu lui montres que tu as fait des défauts, tu ne m'as pas fait comme il fallait, mais tu lui dis que tu m'as fait une créature si. Frère et sœur, alors si tu es si merveilleuse, alors arrête la peinture. Oui, parce que c'est un contraste avec la parole que tu dis à Dieu. Parce que tu dis à Dieu, parce que là, c'était que, c'est ça qui veut dire, mais tu dis à Dieu, Seigneur, j'étais loup. Quand la parole n'est pas sur ma langue, oh Jésus-Christ, mon roi, tu es grand, tu la connais déjà entièrement. Et puis tu dis, c'est toi qui as formé mes reins. Donc tu dois te suivre quand il a fait tout, c'est parfait, non? Tout ce que le Seigneur a fait sur toi, c'est parfait. Amen, amen, amen. Alors, c'est quand tu reconnais qu'il n'a pas fait son travail comme il faut, que tu veux maintenant lui montrer. Est-ce que vraiment la régie peut dire au potier ce que le potier peut faire? Oui, c'est la Bible là. Donc, sœur, il faut arrêter. Je parle bien aux sœurs, c'est-à-dire aux fils, aux filles de Dieu, effectivement aussi, hein, qui aiment le Seigneur. Vous savez que ça, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais Dieu n'a pas dit que vous devez être sale, non? Non, 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 non. La femme vertueuse, on dit et les produits ne lui font pas défaut. Mais maintenant, quand on dit les produits, ce n'est pas pour s'écorcher la peau. Non, parce qu'on va trouver, ah, on a dit, et puis on va s'écorcher la peau. On était sombre, on commence à devenir beaucoup plus. Frère, ma soeur. Vous me suivez? Bah, vous remarquez très bien que j'avais lu un autre chapitre versé. Et puis je suis rentré dans le temps pas planifié. Vous n'allez pas dire, oh, le frère nous avait bien pour me bombarder. Non, 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 non. C'est en lisant qu'effectivement que ça fait comme ça. Alors moi je glorifie Dieu parce que c'est que c'est Dieu qui veut que vous puissiez entendre afin de ne plus recourir à ce genre de choses. Si Dieu a fait de toi comme ça, pourquoi tu dois t'écorcher avec des produits qui doivent brûler la peau, et puis tu mets, qui te brûlent, tu commences à pouvoir avoir la timide, puis pour avoir, vous n'avez pas besoin. Utilisez les produits normaux pour garder votre peau propre. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Ça, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, tu es foncé, demain, je te vois comme une chinoise, je me pose des questions. Après, c'est la catastrophe. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez vert, violet, rouge, parce que la réaction maintenant chimique fait qu'on ne sait plus de savoir. Tu es chinoise, tu es de Madagascar, ou tu es du Congo, parce que la peau commence à faire des gymnastiques. Toute la couleur change. Et vous avez pu mettre autre chose, ça ne fait plus rien. Parce que vous l'avez écorché, vous l'avez perdu, elle a perdu son élasticité à cause du produit.
au lieu d'être joli, vous devenez extrêmement moche. Alors ça, là, à ce moment-là, comment je peux te regarder? Je ne peux pas dire que je suis une créature si merveilleuse, parce que ça, ce n'est pas la touche de mon Dieu, ça. C'est une autre touche. Il est 21h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous aide. Et qu'il vous bénisse aussi. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, mon âme te loue et te glorifie encore pour ta bonté, pour ta miséricorde et tes compassions. Jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais tu as toujours eu à pouvoir agir encore davantage pour ton peuple, Père oh Dieu. Tu as dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que je reconnais pour enfants, pour mes enfants, Père Saint-Dieu, pour fils et filles, mon bien-aimé Père oh Dieu, nous. Te sommes vraiment reconnaissants, mon bien-aimé Père. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu es notre Dieu. Je te remercie parce que nous avons prié pour que tu nous parles, Père. Et c'est vrai que l'homme pouvait voir une autre orientation, mais Seigneur, c'est toi qui nous montres le chemin et la voie. Bénis tes enfants, Père Tubissant, Dieu, là où l'ennemi, le diable, a eu à pouvoir chercher, à pouvoir détruire ce qui est à toi, mon bien-aimé, Père Tubissant, Dieu. Ah, les emporter dans le domaine de l'erreur, mon bien-aimé, Père Tubissant, que tu puisses délivrer, mon bien-aimé, Père Saint, et le fortifier. C'est vrai que le cœur est vraiment aussi attristé aussi, mon bien-aimé, Père Tubissant, parce que l'homme n'aime pas la correction, mon bien-aimé, Père Tubissant, mais tu aimes ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, je t'en supplie. Accorde donc la grâce, mon bien-aimé Père Dieu, que le cœur se réjouisse et que réellement que la compréhension soit aussi claire afin que nous revenions davantage dans ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que ton peuple à toi, tes enfants, tes fils et tes filles, mon bien-aimé Père Dieu, puissent avoir réellement aussi une attitude, un comportement qui se doit de la bonne manière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que ce que tu as fait à ma sœur, c'est la beauté que tu lui as donnée, Père Tubi Saint-Dieu, il est une beauté. Tout à fait exceptionnel parce que c'est cela ce que tu as fait. Et chacun apprécie effectivement aussi ce que tu as fait. Je te loue de tout mon cœur. Ne laisse pas nous égarer, Père Tout-Puissant, Dieu, à faire des choses qui ne sont pas parce que ta touche à toi, elle est merveilleuse, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue et mon âme te glorifie encore aujourd'hui, Père. Que ton peuple soit délivré, Père, parce que les diables veulent toujours amener tes enfants dans l'esclavage, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, mais ils sont libres, mon bien-aimé, Père Tout-Puissant. Tu les as libérés, mon bien-aimé, Père Saint. Ils peuvent avoir honte de qui que ce soit, parce que ce sont des filles, Père Tout-Puissant, Dieu. Elles seront aimées, elles seront appréciées telles que toi, tu les as faites, mon bien-aimé, Père. Tu es notre Dieu et tu es notre roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Nous rendons gloire à ton nom et nous te remercions, Père. Mon âme te glorifie encore ce soir, mon bien-aimé, Père Tout-Puissant. Garde ces enfants qui sont à toi, mon bien-aimé, Père Dieu, et protège chacun d'eux, bien-aimé, Père Saint-Dieu, qu'il reste dans la ligne, bien-aimé, Père Tout-Puissant, Dieu, pour te plaire encore davantage, mon roi. Bénis-les richement, Père Saint-Dieu. Le combat est là, mais ils ont la victoire aussi, mon sauveur, et nous te disons merci. Oui, Père. Bénis tes enfants et protège, Père Tout-Puissant Dieu, et manifeste ta grâce, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon grand, les signes de la victoire déjà brillent au ciel. Merci. Là. Le signal de la victoire déjà mis au ciel. Oh,
Seigneur.